Donc le collier qui est présenté ici, c'est un collier flamand, c'est le collier typique de chez nous. Donc on le reconnaît avec la grosse poignée qui est au-dessus. Et donc si vous êtes déjà passé voir Dominique Ferré à la Bourrellerie, il vous a peut-être déjà expliqué, mais c'est des colliers qui sont majoritairement faits sur mesure pour vraiment prendre la forme du cheval. Hein. Chaque cheval, c'est comme nous, hein, a sa propre morphologie. Donc pour que vraiment le cheval puisse travailler au mieux. Paul Mehun, président du syndicat du Pyrénées, retraité, éleveur de. Enfin, petit éleveur de Pyrénées, mais passionné par la race, passionné par l'utilisation du cheval et passionné par les vieilles pierres et les vieux cuirs. Je m'appelle Amandine Debove, j'ai 21 ans, donc. Maintenant, j'habite à Samé au sein de la maison et je travaille au sein de la maison du cheval du Boulonnais. Donc, du coup, le but c'est de promouvoir la race du cheval Boulonnais. Donc, comme on peut voir derrière, en arrière-plan, c'est j'ai deux juments de 4 ans et deux juments de 2 ans et je vais avoir un ongle de 6 ans qui va venir rejoindre mes 4 ans pour travailler. Donc, le but c'est de promouvoir au mieux le cheval en utilisation, donc sous la selle, en et puis au collier aussi. Donc on va faire de la réinsertion de personnes avec de l'utilisation du cheval boulonnais en espace vert et puis différentes manifestations et puis sûrement des projets avec la commune de Dèvres et de Samé et puis la mairie de Samé. Ensuite je suis aussi ici avec des arabeaux. Je suis Dominique Forêt, je suis bourrelier ici à la maison du cheval boulonnais. Je fais principalement des colliers de travail. Donc ceci est un collier flamand. Il a été entièrement fait par moi. Je fais des matelassures en cuir naturel. Il est bourré de seigle. Il a de la mousse de plastazone. Les renforts d'attelle sont faits en inox. Les tirants sont faits en inox. Enfin, tout est fait en inox. Et le collier va partir pour le déballage.